Ok, on va se faire un tour sur une machine à sous au coup, je peux en perdre, c'est le Occultum 81, jeu assez flippant car quand il balance des séries de spin perdant, ça fait pas semblant. Alors on a 6005. On manquait des mises à 50 balles. Alors petit bonus d'entrée, parce que ce jeu quand il paye pas mal, mais quand il paye pas, il fait pas semblant. Alors joker aléatoire. Qu'est-ce que ça nous file? 700 balles, on va pas doubler. Bon, 700 balles de gagné, mais il balance même pas 15 spins perdants, puis il les rebouffe, donc y a pas de quoi s'enflammer. Spécialement sur ce jeu qui peut balancer des très très longues séries de spins perdants. Alors 200 balles, 400, on va tenter. Bon, voilà le bénéfice des 700 balles, il est rebouffé, retour à la balance de départ. Ça, les jeux comme ça peut balancer 30, 40, 50 spins perdants, voire plus. Quand ça paye bien, mais quand ça paye pas, c'est. Allez, c'est parti, bonne série de spins perdants. On en a les jokers aléatoires. Ce qui nous fait 500 balles. Un déplacement de symbole pour faire un win. Balles, ça on va pas doubler. Alors ça rend pas en bénéf. Ça c'est avoir la série de spins perdants qui rebouffe le bénéf potentiel. Allez 400. Petit double qui passe. Moi ça nous fait 150, allez 300, 600 dans la foulée. Et voilà, 300 sont passés, pas 600. Toute façon les doubles ça doit être une chance sur deux, c'est pas évident. Déplacement de symbole. Ah non, là c'est les barres de bonus, est-ce qu'on va voir les deux? On en a qu'une. Il est mieux le bonus celui sur la droite car il a plusieurs niveaux, mais bon, on va se contenter de celui-là. 1000, c'est pas mal. 1150, on a 7003. Bon, j'avais quand même commencé à 6005, le bénéfice il est pas énorme. Avec les séries de spins perdants que le jeu peut balancer, alors 250. Laquelle choisir? Laquelle choisir? C'était pas celle-là.
Qu'est-ce qu'il nous file? Changement de symbole. Enfin, déplacement plutôt. balles. Alors, petit double à 125. Tout à l'heure, on a perdu sur le noir. On va retenter. Et on repère. Spin perdant retombe à 6005 la lance de départ, on va retomber dessus, ça y est. Ah, qu'est-ce qu'il nous refait? Et oui, notre Latestas. Méga win bordel, méga win bordel, Latestas c'est un gros montant. 1000 fois 2, 1000 fois 2 bordel, 1000 fois bordel bordel, après ça on va se barrer je pense. Combien, combien? Combien, combien, combien? Bah ouais. Racage monstrueux, bah voilà, hop, 4200 balles. Non, on va pas... Eh ben sans déconner, c'est intéressant, 1729. Alors là c'était pas évident qu'il nous tombe le bonus déplacement de symbole avec les têtes as de mort. Lancer un symbole qui rack. Ah, les petites têtes de mort. Qui va nous faire un win 2. 500 balles, ouais. Bon, c'est vrai que ce jeu, quand il balance les bonus, il est pas mal, mais quand il balance les séries de spins pendant interminable, c'est pas l'idéal pour le joueur. 700 balles, hop. Ah ben, chiffre rond, jolie performance. À dire qu'à quelques parties en arrière, il reste 1700 balles, donc là c'est la remontée miraculeuse quand même. Ne pas oublier que c'est joué avec des mises à 50 balles. Là par exemple, ça a payé 4000 tout à l'heure. Enfin, un exemple, ça aurait été une mise à 5, ça paierait 400. Une mise à 50 centimes, ça paierait 40 euros. Alors, prochain win. Oula! Win bordel, bon bah je pense qu'après ça, alors 100 balles par ligne, ouais, se barrer serait pas une mauvaise idée je pense. Là ça fait joli à devoir 100 balles par 100 balles, 100 balles multipliées par je sais pas combien de lignes. Alors soit un gros take. Il a bugué, non, toc toc toc. Ah ben voilà, ça y est, je vous disais. Eh ben sans déconner, celui-là il rack bordel. 8100, voilà, ben ouais, je sais plus quoi dire, mais là j'ai eu raison de continuer un peu la partie. Voilà, je pense que c'est l'heure de leur mettre un petit peu dans l'oignon au casino, de demander un petit. Une petite opération sauvetage de meubles. Bon, là on va faire un spin malchance et close à terminus. On va se remettre un peu les neurones en place. Sans déconner.